j'étais dans le montage, j'avais les évidemment. Si ça continue. Merci. Juste sur les supporters, ça s'est calmé ou pas? Non. Oui, mais ça s'est calmé, heureusement, notamment parce que les supporters turcs ont eu la bonne idée d'exhiber une banderole en hommage à Clément, vous savez, ce supporter marseillais qui est décédé la semaine dernière en revenant d'un déplacement du côté d'Angers. Il y a une banderole RIP qui a été exhibée par une partie des supporters turcs, ceux qui étaient en bas, ceux qui ont causé l'incident étaient placés sur la partie supérieure de la tribune. Donc du coup, évidemment, ça a ramené beaucoup de calme et l'hostilité a disparu. Donc pour l'instant, tout se passe très bien et il y a une excellente ambiance. Bah, c'est sympa, on est rassuré. Merci de ces belles nouvelles. David, maintenant, la compo concoctée par Jorge Sampaoli, vous l'avez? Vous nous la donnez, s'il vous plaît? Je vous la donne. Alors, tout de suite, on va lever le voile. Hein. Pas de Mandanda, pas de Milik, parce que les supporters marseillais n'ont pas arrêté de nous poser la question toute la journée. Est-ce qu'ils vont revenir? Ils ne sont pas là. En revanche, c'est quand même une compo à surprise, ou en tout cas avec des interrogations. Paul Lopez, donc, du coup, dans les buts. En défense, a priori, on va rester sur une défense à 3, Pérez, Alvaro, Saliba. Mais vous remarquerez que Lirola est également aligné, donc pourquoi pas une défense à 4, ça pourrait se faire en cours de match à suivre. Milieu de terrain, donc Gay, Guendouzi, Harit, et une attaque composée de Dieng, Payet et Under.